Bonjour à tous. Bonjour. Nicolas, bonjour. Bonjour Robin. Alors, nous allons à travers cette vidéo vous faire une démonstration du filtre Point One qui sera distribué pendant l'aventure Sail for Water, le premier tour du monde à la voile, solidaire, en faveur d'un accès universel à l'eau potable. Alors, le filtre que nous distribuerons se présentera sous forme de kit, qui sera à l'intérieur de cette enveloppe en plastique, dans lequel nous trouverons les différents composants du filtre, ainsi qu'un seau d'une contenance moyenne d'une quinzaine de litres, dans lequel on percera un trou à environ 1 cm du fond du seau, afin d'éviter les plus gros sédiments de venir obstruer l'entrée du filtre en allant se déposer au fond du seau. Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter les différents composants du filtre? Alors, à l'intérieur de cette enveloppe en plastique, on va trouver les différents composants, à savoir le filtre, la pièce maîtresse, qui utilise la technologie de la microfiltration. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce filtre, il y a des membranes creuses avec des pores de 0,1 micromètre. 0,1 micromètre, c'est 100 fois plus petit qu'un cheveu humain. Ce qui permet de bloquer tous les éléments de taille supérieure, à savoir toutes les bactéries, les protozoaires responsables des maladies diarrhéiques, ce qui est la première cause de mortalité dans le monde, rappelons-le. Nous trouverons ensuite un tuyau qui nous permettra de relier le seau au filtre, notamment grâce à un boulon et à deux joints qui assureront une parfaite étanchéité. Nous avons ensuite le petit outil dont vous parlez Romain, qui nous permettra de percer le trou à la bonne taille au fond du seau. Nous avons un crochet qui nous permet d'accrocher le filtre en haut du seau lorsque celui-ci n'est plus en utilisation. Et enfin, nous avons une seringue en plastique qui nous permettra de nettoyer et d'entretenir le filtre en injectant en sens inverse de l'eau propre pour déboucher les pores du filtre. Voilà. Nous allons désormais passer à l'utilisation du filtre. J'ai récupéré de l'eau qui est bien sale, dans laquelle nous avons rajouté de la vase ainsi que des excréments d'animaux. Très bien. Nicolas, bon. Est-ce que tu peux m'aider? Hop. Allez. Donc on verse tout. Vas-y. Comme vous constatez, les joints sont efficaces. Il n'y a pas de fuite. Voilà. Hop là, parfait. Merci beaucoup Romain. Alors, passons désormais à la filtration. Tiens Romain, hop, attends, est-ce que tu peux faire un verre pilote s'il te plaît? Ouais. Voilà, donc on voit bien la couleur. La couleur bien de opaque, l'eau. Bien sale. Alors, pour filtrer, pas besoin d'enlever le crochet, on peut le laisser. On enlève le petit capuchon, on ouvre le bec verseur. Le temps que les premières gouttes arrivent. Nicolas, je crois que les résultats sont concluants. Voyons un peu. Donc l'eau sale et puis l'eau filtrée par le filtre Point One. Romain, est-ce que tu veux bien nous servir de cobaye et goûter cette eau filtrée? Allons-y. À la vôtre. Incroyable. L'eau est délicieuse. Je confirme. C'est une vraie réussite. Vive le filtre! Alors, passons désormais à l'entretien de ce filtre grâce à son outil, la seringue en plastique. Alors, Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer comment on entretient le filtre, c'est-à-dire comment on le nettoie? Oui, alors, grâce à la seringue en plastique, on va venir chercher de l'eau propre pour ensuite aller l'injecter en sens inverse dans le filtre afin de déboucher tous les pores du filtre. Vous verrez, l'eau sale sortira du bas du filtre. D'accord, alors ça on le fait à chaque fois que le débit se réduit. Exactement, dès que le flux du filtre ralentit, il faut le nettoyer. Alors je vais chercher grâce à la seringue de l'eau propre. Hop, voilà. D'accord, donc moi j'ouvre et j'enlève le capuchon ici. Et là on voit bien que l'eau qui sort est vraiment sale. Il faut réitérer l'opération 3-4 fois afin de s'assurer que le filtre soit bien nettoyé. D'accord. Alors, il est très important de nettoyer régulièrement le filtre à chaque fois que le débit ralentit, car si le filtre est bien entretenu, on peut filtrer jusqu'à 3,5 millions de litres d'eau, à savoir la consommation de 100 personnes pendant 5 ans. C'est bien ça, Nicolas. Ce qui en fait un filtre très durable. On a vu aujourd'hui que le filtre Point One est un filtre durable, efficace et simple d'utilisation. Merci beaucoup Romain pour cette démonstration. Avec Sail for Water, agissons pour un accès universel à l'eau potable.